son quotidien, Simon est un jeune homme comme les autres. Il travaille de façon autonome à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Shawinigan et il y est grandement apprécié. Simon est toujours positif et enthousiaste. Il joue au hockey à chaque semaine et est un joueur assidu de l'équipe de hockey-ball, les Pingouins de la Mauricie, qui participe chaque année au tournoi provincial de hockey-ball organisé par le Mouvement des personnes d'abord de Drummondville. En 2013, Simon s'est inscrit au club de canotage de Shawinigan. Dès le début, on découvre que Simon a un réel talent pour ce sport. Il performe particulièrement en K1 aux 200 mètres. Et s'ensuit une série de succès pour Simon. Une médaille d'or au championnat canadien de canoë-kayak à l'été 2015 à Ottawa, une médaille d'or en K1 au championnat provincial au bassin olympique de Montréal à l'été 2016, une médaille de bronze au championnat canadien en septembre dernier à Dartmouth en Nouvelle-Écosse et une quatrième place en parakayak, cette fois avec un coéquipier avec qui il n'avait encore jamais fait équipe. Les intervenants de l'ADI Centre-Mauricie, qu'il fréquente depuis plusieurs années, sont fiers de lui et tenaient à souligner sa grande persévérance, en espérant qu'un commanditaire se manifeste afin de le soutenir dans la poursuite de son rêve de participer aux Jeux paralympiques. Bravo Simon pour ta détermination!